Annabelle Termet, je suis coordinatrice de projet RH chez Maisons et Cités. Alors je suis Marion Pucrop, responsable du développement RH chez Maisons et Cités. Corentin Desplanques de la société Projection. Alors l'objectif du projet était pour nous de moderniser notre journée d'accueil pour en faire un moment fun, immersif, qui fasse vivre de manière émotionnelle nos valeurs, notre histoire, pour que nos collaborateurs qui viennent de nous rejoindre soient attachés, autant attachés à Maisons et Cités que nous le sommes. Et puis moi j'avais un deuxième objectif en tant que manager, c'était de fédérer mon équipe autour de ce projet. L'objectif c'était vraiment de pouvoir s'appuyer sur le côté très immersif que propose la ludopédagogie. On a donc fait une démarche de serious game design, donc on a défini les objectifs pédagogiques, les contraintes, on a conçu ensuite ensemble avec les équipes RH de Maisons et Cités les différentes épreuves qui allaient être soumises aux participants joueurs et on a fait un certain nombre de playtests afin d'arriver jusqu'à la version finale de ce serious game. Et puis on a terminé par la formation des équipes RH à l'animation de cette activité. Les retombées sont multiples. La première, c'est qu'effectivement, pendant les playtests, on a eu des retours hyper positifs du projet, donc ce qui nous a conforté dans les objectifs qu'on a mis en place. Les deuxièmes, c'est qu'effectivement, on a eu des beaux retours des participants qui nous ont dit que c'était innovant, que c'était fier d'appartenir à Maisons et Cités. Et les troisièmes, c'est qu'effectivement, ça a aussi fédéré l'équipe développement RH par ce projet Welcome Game qu'on a mis en place chez Maisons et Cités.